je vais rapidement vous expliquer, partager avec vous les sites que j'utilise pour m'exercer au coach. D'accord, il y en a plein. Si vous partez sur Google, vous tapez les sites pour website for practicing code, vous allez trouver pas mal de codes, ok. Même si vous tapez en français, on va vous montrer pas mal de sites web, ok. Moi je vais vous montrer ce que j'utilise, d'accord, souvent, ok. Donc c'est parti, je vais commencer avec Scratch. J'ai entendu parler de Scratch cette année et j'avoue que c'est un outil assez intéressant. Comme vous pouvez le voir, on vous dit qu'avec Scratch vous pouvez programmer vos propres histoires interactives, vos jeux, vos animations. C'est vraiment un outil qui vous aide à apprendre à penser de façon créative, d'accord, à raisonner de façon systématique aussi, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous allez voir que j'ai déjà un compte ici, donc je vous encourage à vraiment créer un compte sur Scratch. Vous pouvez aller sur Create ou IDEAS, d'accord. Vous allez voir des exemples de Scratch, ok. C'est pas du tout compliqué, d'accord. Vous pouvez choisir un tutoriel, d'accord. Et dans le tutoriel, voilà, vous avez plusieurs options pour pouvoir créer des choses, faire de la musique et tout. Ça vous apprend, en fait. Je parle souvent dans mes vidéos qu'il faut maîtriser le problème solving, d'accord, la capacité à résoudre les problèmes. Donc la capacité à réfléchir, c'est vraiment important. Et Scratch vous permet d'atteindre ce objectif-là. Okay. Le deuxième site que j'utilise pour coder, c'est LearnShell. Alors LearnShell, c'est assez important pour justement ceux qui veulent apprendre le Shell. Et le Shell, c'est la base, mon gars. C'est la base, comme on dit. Le Shell, c'est le langage de l'ordinateur. Okay. Donc, en tant que programmeur, en tant que codeur, vous allez beaucoup utiliser le terminal de commande. D'accord. Là, vous allez voir que j'utilise cmdr ici pour Windows, d'accord. Mais voilà, c'est vraiment important de connaître la ligne de commande, et le langage qui permet de pouvoir naviguer dans la ligne de commande, c'est le Shell. Vous allez apprendre les bases avec justement learnshell.org. Donc je vous encourage vraiment à aller là-dessus, d'accord. Donc voilà, attends, je vais mettre dessus. J'essaie juste de déplacer mon écran. Non, c'est pas grave, je vais laisser ça ici comme ça. Donc du coup, je vous encourage vraiment à utiliser LearnShell, d'accord. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un compte pour partir directement apprendre les bases. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de suivre chacun des tutoriels, d'accord. Chaque tutoriel, chaque chapitre, vous avez le test qui est là et vous avez la possibilité de commencer directement l'exercice. Vous pouvez taper votre code ici, ok, et vous allez voir la sortie là. Donc LearnShell est vraiment très très intéressant. Bien sûr, sur ce site vous pourrez apprendre d'autres langages, hein, JavaScript, PHP, tout, mais pour ceux qui veulent apprendre le Shell, c'est vraiment le site que je vous encourage. Le troisième site, c'est HackerRank. HackerRank, c'est un excellent site, c'est l'un des meilleurs sites pour acquérir ou bien augmenter, d'accord, améliorer ses compétences en problème solving, en algorithmique, etc., etc. Donc vous avez vraiment la possibilité même d'avoir des certifications, d'accord, par exemple en problème solving, d'accord. Quand vous résolvez, quand vous avez ces certifications, HackerRank, c'est aussi un endroit où vous pouvez être vu par des entreprises qui recherchent des codeurs. Donc c'est vraiment bien de venir sur ce genre de site et toujours vous exercer, acquérir des certifications. Ça vous met en avant, ça permet aux recruteurs de voir vos profils et de vous approcher. Donc ce site, il est en anglais bien sûr, donc je vous encourage à avoir de ne pas avoir peur de l'anglais, d'accord. Quatrième site, lui c'est mon préféré, ah, c'est mon chouchou, Code Signal, ok. C'est vraiment mon chouchou, d'accord. Vous allez voir, j'ai déjà un compte ici. C'est un site qui vous prépare aux interviews de coach, ok. Alors, parce que les interviews de coding, vous allez avoir des CTO, des directeurs techniques qui vont vous poser des problèmes,
vont venir vous demander de résoudre des problèmes techniques, voir vos capacités en problem solving, voir vos capacités en algorithme, etc., etc., en scripting, etc., etc. Donc, CodeSignia vous permet en fait de vous préparer aux interviews de code. Mais ça vous permet également de pratiquer le code, d'accord? Vous allez voir ici, donc sur le tableau de bord, si vous créez votre compte, vous allez arriver ici. Dans ce tableau de bord, là, vous aurez la possibilité de cliquer sur Arcade. Arcade, on a tous joué à Mario, on a tous joué à des jeux vidéo en mode arcade. En mode arcade, c'est une aventure solo, dans laquelle on a plusieurs missions à réaliser. On arrive au bout jusqu'à battre le chef bandit. Et voilà, gagner l'arcade. Donc, en programmation avec CodeSignal, c'est la même chose. Signal ou Signal, je ne sais pas comment on dit ça. Et voilà, vous avez une intro. Ensuite, vous avez l'apprentissage des bases de données, corps, Python. Vous avez les graphes et tout. Mais voilà, pour l'intro, comptez sur l'intro. C'est vraiment l'intro, quoi. Vous faites la base, d'accord, the journey begins, la journée, le voyage démarre. Vous voyez que j'ai fait ça, je suis entièrement ici, edge of the ocean, c'est à dire je m'apprête à entrer dans l'océan, d'accord. Ensuite il y a en bas, smooth sailing, espume the waters, on rentre en profondeur, island of knowledge, rains of reason, through the fog, d'accord. Divine Deeper, Dark Wilderness, donc là on commence à rentrer dans vraiment, comment on dit, le Dark, et Rainbow of Clarity, Land of Logic, d'accord. Et c'est-à-dire, c'est vraiment en fonction de chaque univers, la difficulté va augmenter, d'accord. Et quand on voit par exemple le mode, voilà, Edge of Ocean, je suis ici, Make Every Consecutive Two, voilà, donc, vous pouvez résoudre vos challenges, d'accord, avec le langage avec lequel vous êtes à l'aise, d'accord. Plusieurs langages ici. Ici, dans le camp principal, vous avez la possibilité de, vous avez la possibilité de directement résoudre le challenge ici. Vous pouvez exécuter des tests. Ils ont mis en place plusieurs tests pour vous aider à résoudre le problème. Vous pouvez résoudre les tests. Et vous pouvez exécuter les tests si tout est positif. Vous pouvez répondre submit et ça va passer. Ok. Et voilà, vous faites ici pour choisir tous les langages. Il y en a plein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 langages. Il y en a 38. Chacun trouve forcément son compte. Vous avez l'instruction qui est ici, c'est vraiment génial. Donc, je vous encourage vraiment à vous créer un compte sur CodeSignal. Ensuite, vous avez Algo Expert. C'est vraiment, comme ils vous le disent ici, hein, la ressource ultime pour vous préparer aux interviews de code. C'est un peu comme CodeSignal, d'accord. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus publicité que CodeSignal. Voilà, et c'est vraiment intéressant, d'accord. Donc vous avez un ensemble de questions auxquelles vous pouvez vous préparer, des vidéos d'explication, vous explique c'est quoi les structures de données, vous pouvez pratiquer dans un environnement qui a été fait à ce défi. Vous avez un certificat de d'achèvement et voilà, vous avez également la partie pricing où vous pouvez voir, ok, c'est, je pense, des abonnements annuels de $99, $129, etc. Ok, donc jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant, surtout pour ceux qui veulent bien sûr entrer dans l'économie globale avec tout ce qui est anglais et tout. Vraiment intéressant. Donc voilà, Algo Expert, j'avoue, alors ça, ceci, je l'utilise pas parce qu'il faut que je paye, mais je vais bientôt le payer, mais je peux le mettre dans la liste parce que je vais pas tarder à beaucoup l'utiliser aussi. Et enfin, vous avez Learn JIT Brushing. JIT, c'est vraiment l'outil à apprendre parce que aujourd'hui, c'est ça. Le versioning, c'est la base pour les codeurs de demain, pour les codeurs d'aujourd'hui et de demain. D'accord? Il y a 10 ans de ça, on parlait pas de JIT. Aujourd'hui, on parle de JIT. Hyper important. Donc, ce site vous permet d'utiliser JIT, de maîtriser, en fait, les bases
de Git, avec les commandes Git. Voilà, donc j'espère que vous avez noté. C'était les sites que je voulais partager avec vous. Je rappelle Scratch, vous avez LearnShell, Acuron, CodeSignal, AlgoResponse, JitBrainch. Ok, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quels sont les autres sites sur lesquels vous vous exercez? J'aimerais beaucoup savoir ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et puis Divination. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Négro, quand j'ai commencé le peur, t'étais pas là, t'en viens pas casser les couilles. Dommage que j'ai pas un flingue, sinon dans le tigre il allait pleuvoir des douilles. Je rentre sec et la go est mouille.